On va lire la parole de Dieu dans Zacharie, chapitre 10. Nous allons lire un verset particulièrement, donc, ce matin, dans le livre de Zacharie, chapitre 10, et nous allons lire le verset 5. Le verset 5, donc, dans le livre de Zacharie. Zacharie, donc, dans les petits prophètes, chapitre 10, verset 5. Dieu dit, « Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue, la saleté des rues. Ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux. Et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. » Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette prophétie de Zacharie, et particulièrement en te bénissant pour les chrétiens de la fin des temps, Seigneur, qui sont comme des héros, qui foulent, qui se battent, qui combattent la boue des rues, la saleté, Seigneur, que nous voyons tout autour de nous. Et nous sommes vainqueurs, Seigneur, et nous voulons continuellement montrer notre poing au diable, le combattre, lui résister, Seigneur. Bénis tes enfants et ton peuple aux quatre coins de la terre. Nous prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous soutienne, Seigneur, et tel que ta parole nous le dit, nous combattrons parce que tu es avec nous. Nous combattrons parce que l'Éternel sera avec eux. Nous te bénissons pour ton nom merveilleux, un des noms qui est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te remercions, Seigneur, tu n'es pas contre nous, tu n'es contre personne, mais tu es pour ceux qui t'aiment et tu veux nous fortifier. Aide-nous, Seigneur, dans la bataille, dans la boue des rues, dans la saleté, Seigneur, de la dernière génération, alors que nous sommes dans le dernier virage, dans la dernière ligne droite, avant l'enlèvement de l'Église, avant ton retour en gloire. Nous désirons te servir jusqu'à la fin avec le zèle que tu nous communiques. Au nom du puissant Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Votre poing à la face du diable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je pense que nous devons, vous allez avoir ce point, alléluia, qui va vous rappeler qu'on est dans une bataille. Le point fermé, évidemment, parle, je dirais, tout seul. Ça nous indique, évidemment, la direction de la pensée de la personne qui a le point fermé. Le point fermé, évidemment, nous avons un ennemi en face de nous qui s'appelle Satan. Et sur le ring, je dirais, nous pouvons le mettre dans les cordes à chaque fois si nous le désirons. Puisque la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous ne sommes pas vaincus. La Bible dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de Jésus-Christ. Nous devons demeurer vainqueurs. Les promesses aux sept églises de l'Apocalypse, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, je ferai ceci, je donnerai cela, il sera ceci, il sera cela, et ainsi de suite, à celui qui vaincra. Donc, évidemment, nous avons un ennemi et nous avons besoin de vaincre. Actuellement, qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Notre monde est totalement ébranlé. Notre monde est totalement bouleversé. Si nos grands-parents qui sont morts revenaient et voient la situation dans laquelle nous sommes, ils n'en reviendraient pas. Ils n'en reviendraient pas de ce qui se passe, de ce qui est accepté, de ce qui est acceptable, de ce qui est même promu aujourd'hui de sous nos yeux comme génération. Notre monde est ébranlé, voyez. Actuellement, dans le monde, il y a de vastes éléments révolutionnaires qui sont mis en place. Il y a une évangélisation contraire à celle de Dieu qui est en train de se faire. Une évangélisation vers le mal, un enseignement vers le mal. Le mal devient bien, le bien devient mal. Nous devenons les méchants, et ainsi de suite, voyez. Et il y a certaines personnes dans cette bataille de la fin des temps qui, hélas, ne survivront pas. C'est une guerre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dans un pique-nique. C'est une guerre et vous la vivez chaque semaine. Vous la voyez
Je dirais, vous en voyez évidemment les résultats, comme nous ne voyons pas le vin, mais nous voyons les arbres brisés, nous voyons les toits qui sont enlevés lorsqu'il y a des tornades. Et lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, ça veut dire qu'il y a une guerre invisible, une guerre qui est menée par le prince des ténèbres, ce vaincu à la croix de Golgotha. Il y a certaines personnes à la fin des temps et certains éléments qui ne pourront pas survivre parce qu'ils sont imprudents. Ils sont imprudents. Ils prennent les choses de Dieu très légèrement et de façon frivole. L'esprit de l'homme aujourd'hui est en prise avec cet ébranlement. Le Seigneur a prophétisé dans la Bible un passage très clair dans l'Épître aux Hébreux où le Seigneur va dire « Gardez-vous de refuser » d'entendre celui qui parle. Il faut vouloir entendre. Il ne faut pas refuser. Il ne faut pas fermer notre cœur devant celui qui parle. Et celui qui parle, c'est le Seigneur. Parce que si ceux-là, dans Hébreux chapitre 12, verset 25, car si ceux-là n'ont pas échappé, voyez, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, celui qui disait les commandements de Dieu sur la terre, hein, si les gens en bas ont refusé d'entendre et ont dit « Moïse, parle-nous, mais on ne veut pas que Dieu nous parle », voyez, ainsi de suite. Ils refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Nous n'échapperons pas, voyez, si nous refusons. Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix, alors, à cette époque-là, du temps de Moïse, ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, c'est quelque chose de très réel, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps. C'est juste pour un temps, voyez, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, le royaume de Dieu, le royaume du diable est bâti sur le sable, tout va tomber, tout va s'écrouler. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, démontrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Donc le Seigneur dit ici, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et actuellement, la terre est ébranlée dans toutes sortes de niveaux. Vous savez, l'athée, l'existentialiste français Jean-Paul Sartre, avec sa concubine, sa poufiasse Simone de Beauvoir, voyez, tous les deux sont morts, sont passés dans l'éternité. Et Jean-Paul Sartre avait écrit un jour, il n'y a aucune porte de sortie pour le dilemme humain. On est juste sur un petit paquet de boue, c'est tout, puis on est comme des insectes, il n'y a rien, ça ne sert à rien, voyez. On appelle ça l'existentialisme. Sir Winston Churchill, à l'époque, disait « Nos problèmes sont au-delà de nous. » Carl Jung, ce psychologue suisse, disait à l'époque « La névrose principale de notre époque, c'est le vide. » Le vide. Les gens sont totalement vides. C'est des coquilles vides. Le chrétien est rempli de la présence de Dieu, de la Sainte Trinité. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont venus résider et doivent présider à cette vie qui maintenant leur appartient. William Ernest Hawking, un ancien professeur de philosophie d'Harvard, a déclaré « L'homme s'élève lui-même jusqu'à un certain niveau, puis découvre qu'il n'a pas les ressources pour finir. » On a demandé à un ancien secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, « Monsieur Kissinger, est-il vrai que vous avez prédit la fin
de notre civilisation. Cet homme-là était diplômé d'histoire et de sociologie à Harvard. Et il a répondu. Il dit, je donnerai ma réponse comme suit. Comme sociologue, je pourrais vous prédire que notre société telle qu'elle est actuellement ne peut plus durer très longtemps. Et en plus, comme historien, je vais vous dire que vous devez être conscientisé au fait que chaque civilisation qui a déjà existé dans le passé, ultimement, s'est effondrée et s'est écroulée. Actuellement, ce que nous voyons sous nos regards, c'est notre civilisation qui est en train de s'écrouler. La maison s'écroule. Ça a pris des années, ça a pris des siècles, mais une maison qui pourrit, ça peut s'étaler sur des décennies. Mais à un moment donné, un mur tombe, pouf, le toit tombe, les poutres cassent, et très rapidement, c'est l'écrasement final de la maison. Notre civilisation est en train actuellement de s'écraser très, très rapidement. Nous sommes soldats de la croix. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus-Christ. Et chaque soldat de Jésus-Christ doit actuellement, maintenant, être très conscient et nous devons faire face à cette chose-là. C'est qu'il y a un ébranlement dans le monde. Tout est ébranlé actuellement dans notre société. Et cela a été prédit à la fin par le Seigneur dans la parole de Dieu. Dieu a dit à la fin des temps, tout sera ébranlé. Tout sera ébranlé. Notre monde actuel est ébranlé écologiquement. Vous voyez, il y a des lacs suisses qui sont totalement actuellement pollués, des rivières dans les Indes, les océans du monde deviennent des poubelles, tout cela est violé, exploité, les forêts tropicales d'Amazonie, on n'en parlera pas, brûlent, tout ça, et ainsi de suite. On sait évidemment tout ce qui se passe dans notre monde. Nos grandes villes, à Paris, à Londres, à Tokyo, à New York, à Moscou, les gens qui y habitent sont en train d'étouffer dans la pollution, et dans certaines de ces villes, même on voit des nuages, littéralement, donc de pollution par une belle journée d'été. Et quand vous entrez dans ces villes, c'est gris. C'est gris. Et pourtant, il fait beau. Pourtant, c'est le ciel. À cause, évidemment, donc de ces pollutions de la fin des temps. Dans certaines de ces grandes villes du monde, les policiers qui dirigent le trafic portent des masques à gaz et ils changent les masques à gaz tous les 2 heures. Vous vous rendez compte? Comme Pékin, actuellement, c'est toujours gris. C'est toujours gris, il fait plus jamais beau maintenant dans ces immenses mégapoles de millions de personnes où le soleil maintenant n'arrive même plus à percer au travers. La Bible dit que les choses ébranlées ont été faites pour un temps. Ce qui veut dire que le monde ne continuera pas tel qu'il a été depuis des millénaires comme cela tout le temps. Nous en allons vers une fin, vers une fin. Notre monde est ébranlé aussi dans le domaine de la médecine. Notre monde a explosé, notre connaissance a explosé totalement. Nous vivons dans une culture de pilules. Nous sommes accrochés comme société aux pilules. On nous a rallongé supposément la vie au sens médical, mais la médecine n'a absolument rien offert qui est digne de vivre. On nous a appris que nous sommes des animaux évolués. Vous voyez, c'est tout ce que nous sommes. Nous avons des pilules pour n'importe quelle douleur, n'importe quelle douleur. On a des pilules pour le sommeil, des pilules pour contrôler les naissances. On a des pilules pour nous faire grandir, des pilules pour arrêter la croissance, des pilules pour promouvoir la puissance sexuelle, des pilules pour contrôler notre manière d'agir, des pilules contre les angoisses, des pilules pour grossir, des pilules pour maigrir. Nous sommes un monde de pilules. Vous voyez ? La réponse est là. La réponse est là. Quelle idiotie. Nous sommes devenus des idiots. Des idiots intelligents, voyez. Le monde est ébranlé dans le domaine moral,
n'est-il pas ébranlé notre monde ? Voyez, c'est difficile de croire ce que l'on voit dans nos rues, dans nos quartiers. Il y a quelque temps, j'étais au centre de la ville de Montréal et une sœur chrétienne m'a dit, « Pasteur, je ne peux même pas vous dire ce que je vois tous les jours dans le métro. C'était tellement abominable. Je ne peux même pas vous le dire. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Les annonces de films, les pancartes pornographiques, à la télévision, les vidéos, la jungle de boutiques, de sexe et ainsi de suite. Les travailleuses du sexe, imaginez. C'est des personnes très bien, elles cherchent à être syndicalisées, les perverses, les pourries littéralement. Telles que la Bible déclare devant le Seigneur, elles doivent se repentir de leurs péchés si elles veulent aller au ciel. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Une ingratitude totale, voyez, insoumis. Ils auront une certaine apparence de piété, mais ils en renieront totalement. Ce qui en fait la puissance, ce qui en fait la force. Quelle est la force? C'est la sanctification, la mise à part. Abraham était à part, Lot était à Sodome, voyez. Et à Sodome, il est devenu comme les sodomites. Chers amis, nous sommes ébranlés dans le domaine moral. Notre monde est en train de commettre un suicide de société. Un suicide de société. Lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Verset 8. Il y a dans Ésaïe chapitre 5 plusieurs fois le terme malheur. Au moins 5 fois. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bât et un homère de semences ne produira qu'un éphant. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal, qui changent les ténèbres, ce qui est obscur et ténébreux, en lumière, voyez, et ceux qui changent la lumière véritable en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et qui change la douceur en amertume. Aujourd'hui, si vous divorcez, mais c'est merveilleux, c'est une douceur merveilleuse, voyez, alors qu'ils sont en train de changer l'amertume, voyez, en douceur. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin, de la vaillance pour mêler des liqueurs forts, tout le monde des bars, et ainsi de suite. Le monde de la nuit, voyez, ce qui justifie le coupable pour un présent, les pots de vin et ainsi de suite, et qui enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Dieu a dit, à la fin des temps, tout sera ébranlé. Notre monde est ébranlé intellectuellement. Actuellement, l'enseignement de Engels, la dialectique d'Engels, de Marx, et ainsi de suite, a remplacé totalement la sagesse de la parole de Dieu. Le bien est bien, le mal est mal, les commandements de Dieu, on ne les veut plus, même dans les cours de justice, voyez. Tout est expliqué aujourd'hui, le mal est expliqué de A à Z. Un tueur est simplement un psychopathe, et il peut tuer ses enfants, mais tout à l'heure il va retourner au travail, parce que c'était juste, il était un petit peu, ainsi de suite, voyez. Tout est expliqué, mais rien n'est certain.
Rien n'est certain. Il n'y a aucune certitude. On ne connaît plus la différence entre le mal et le bien, la lumière et les ténèbres. On ne sait plus cela, voyez. Le monde universitaire a balayé, je dirais littéralement, tout ce qui concerne Dieu, la Bible, ainsi de suite, ne veulent rien savoir de cela, et on a remplacé cela par la pensée humaniste. L'homme est devenu Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est nous qui avons créé Dieu. La Bible, Dieu créa l'homme, Genèse 1er chapitre, chapitre 2, mais voyons là, c'est nous qui avons créé Dieu, c'est nous qui l'avons imaginé dans nos cœurs, et ainsi de suite. Quelle folie. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'insensé. Nous avons, je dirais, un parc, je dirais, de collèges, d'universités, avec des insensés à l'intérieur. Avec des insensés à l'intérieur. La Bible dit qu'à la fin des temps, ils apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Apprendront toujours des cours, voyez, mais ils ne veulent pas de la vérité. La pensée rationnelle, la pensée correcte, telle qu'enseignée dans la parole de Dieu, est une chose du passé. Une chose totalement du passé. Au cœur de cet enseignement, je dirais totalement humaniste, c'est la fausseté de l'autonomie de l'homme. L'homme est son propre chef. L'homme fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, à la manière qu'il veut. Voyez, je bois mon lait comme ça me plaît. Ça, c'est la philosophie. Derrière cela, voyez, il y a une philosophie, voyez. Il lance comme cela des slogans ici et là pour éloigner toute contrainte, toute soumission, tout compte à rendre à la fin de notre vie quand nous passerons dans l'éternité. Ils n'en veulent pas, voyez. Chers amis, l'homme aujourd'hui croit qu'il n'est sujet d'aucune puissance en dehors de lui-même. Ça veut dire, je crois en moi. C'est ça ce qu'ils disent. Je crois, toi, tu crois en Dieu. Il dit, moi, je crois en moi. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est moi qui suis Dieu. Je suis mon propre Dieu. Je suis maître de ma barque. Je suis maître à bord. Mon corps, j'en fais ce que je veux. Si j'ai envie de me faire avorter, si j'ai envie de tuer l'enfant qui est dans mon corps, ça, c'est mon idée. Ils ne disent pas, je veux être une meurtrière. Non, non. Mais ils disent, je suis maître, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis mon Dieu, je fais ce que je veux. Ça correspond exactement à l'homme dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, qui avait dit, moi et rien que moi. Et il a dit, eh bien mon âme maintenant, je suis riche, j'ai un compte en banque bien rempli, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai plus assez de place pour serrer ma récolte, voilà ce que je ferai, je vais abattre. Mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai ma récolte, tous mes biens, je dirai à mon âme, voyez, repose-toi, mange, bois et du fun, réjouis-toi. Mais Dieu vient vers cet homme et lui dit, fou, tu es un fou, tu es un insensé, car cette nuit même, ton âme te sera redemander. Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Ce que tu as préparé, ça va être pour qui? Ce que tu as préparé. Ainsi dit Jésus, c'est comme cela avec celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous voulons être riches pour Dieu, pour le Seigneur. Amen. L'homme aujourd'hui est une loi pour lui-même. L'homme aujourd'hui est créateur de ses propres absolus. Aujourd'hui, l'homme, c'est lui le juge et le jury, voyez, de ses propres actions. Vous savez, aujourd'hui, les 10 commandements, c'est fini. Il y avait une plaque dans une cour de justice très réputée aux États-Unis. Ils sont allés l'arracher. Ils n'en voulaient plus, donc, de ses commandements. J'aimerais vous les rappeler ce matin. Le premier dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'acceptes pas
que l'on plie le genou devant quiconque que lui-même. Nous devons reconnaître que nous sommes la création, la créature, et qu'il est le créateur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Voyez, et tu ne te prosterneras pas devant ces choses-là. Quand vous avez une église romaine qui a des statues de côté et d'autre, et vous avez parfois les pieds de ces statues qui sont tellement, je dirais, usés par les gens qui sont venus embrasser la bonne Sainte Anne, embrasser le petit Jésus de Prague, un Saint Antoine, ainsi de suite, c'est abominable. C'est une idolâtrie, telle que la parole de Dieu le déclare dans le deuxième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, que de blasphèmes vous entendez chaque semaine autour de vous. Voyez. Il ne blasphème pas le diable, il blasphème Jésus-Christ, il blasphème Dieu le Père. Voyez, Satan les dirige toujours à blasphémer l'Éternel et son oint. Ensuite, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Si les gens, voyez, travaillaient, je dirais, et se reposaient un jour par semaine, eh bien, toutes les choses changeraient dans le pays. Il y aurait la moitié des dépressions qui disparaîtraient. Les gens ne veulent pas, ils veulent l'argent, l'argent, l'argent. Alors plus on travaille, plus on aura d'argent. C'est complètement fou, voyez. Il faut s'arrêter, voyez. Au moins un jour sur sept, nous devons nous arrêter. Et nous, comme chrétiens, c'est bien fait, c'est merveilleux. Nous reposons dans la présence du Seigneur. Nous venons à la maison du Seigneur. Nous repartons le dimanche soir remplis d'espérance, de joie. On s'est baigné dans l'amour de Dieu. On a été nourris par la parole du Seigneur. La communion fraternelle a réchauffé nos cœurs. C'est quelque chose de magnifique que Dieu a pensé et a imaginé pour chacun de nous. L'Église. L'assemblée. Amen. Que Dieu soit glorifié. Honore ton père et ta mère. Honore-les. Voyez. Il y a, dans le Proverbe 30, il y a un verset qui dit, il y a une certaine génération qui n'honore ni son père ni sa mère, qui ne dit aucun bien de son père et qui ne dit aucun bien de sa mère. La Bible dit, tu vas honorer ton père et ta mère. Et à cause de cela, il y a une bénédiction afin que tu vives longtemps. Tu vives longtemps. La majorité des personnes qui meurent, voyez, à 30 ans, dans 20 ans, sont des gens qui se moquaient littéralement de leurs parents. Remarquez. Remarquez. Quand vous avez 4 jeunes qui, un vendredi soir ou une nuit, s'en vont avec une voiture, avec la drogue, ainsi de suite. Toc, soudain, la voiture fait un virage, tout bascule, et voilà 4 morts. Vous pensez que ces gens-là honoraient leur père et leur mère? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Aujourd'hui, les femmes tuent. C'est des tigresses. Elles vont jusqu'à tuer, pas seulement leur conjoint, mais leur progéniture à l'intérieur. Même certains animaux ne le font même pas. Tu ne tueras pas, voyez. Tu ne commettras pas d'adultère. Voyons donc. C'était écrit derrière l'autobus, encore il n'y a pas très longtemps, à Montréal. Quelque chose comme disant, allez voir la femme d'à côté et ça mettra du sel dans votre soupe. C'est abominable. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas pas. Tu ne voleras pas. Voyez. Tu ne prendras pas ce qui ne t'appartient pas. C'est ça que ça veut dire. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Acte de langue sale. Qui ont détruit des réputations, qui ont détruit des foyers, qui ont dit des choses à partir d'un bout de vérité et ont rallongé avec un paquet de mensonges. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Voyez. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, hein, et ainsi de suite. Ce sont les commandements de Dieu, on les a oubliés. On les a oubliés. Et je pense qu'il est bon que, comme parents, on réapprenne à nos enfants les commandements de Dieu, les 10 commandements du Seigneur. Ils sont fixes,
pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Mais aujourd'hui, l'homme, il s'est créé une loi pour lui-même. L'homme est créateur de ses propres absolus. L'homme décide. Ce n'est plus Dieu. On ne vient pas comme David consulter le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voyez. Ou comme Saul de Tarse, alors qu'il vient d'avoir la vision du Christ et qu'il l'a entendu du haut du ciel. Et cet homme dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Plus jamais. On ne demande pas à Dieu son conseil. Voyons. Alors que nous devrions. La question qu'on se pose ce matin, l'Église, au milieu de tout cela, cet ébranlement, l'Église de Christ, va-t-elle survivre? L'Église de Christ va-t-elle survivre à cet ébranlement qui secoue littéralement donc notre société? Certains disent, l'Église, elle ne survivra pas. L'Église est en difficulté et elle semble destinée à mourir, elle semble destinée à s'effacer et à s'éteindre. J'aimerais vous dire ce matin que l'Église de Christ va survivre. L'Église de Christ est la seule entité qui est inébranlable. Ça veut dire qu'il ne peut pas être secoué, qu'il ne peut pas être ébranlé. On ne peut pas l'envoyer comme cela, du revers de la main aux poubelles. C'est impossible. Nous sommes le dernier contrefort qui ne bougera pas, le dernier barrage qui ne lâchera pas. Tous les autres barrages ont lâché. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans la médecine, que ce soit ici, que ce soit là. Tout est en train d'aller à la dérive totalement. Le seul barrage qui va tenir, qui est cimenté dans la parole de Dieu et dans l'éternité, c'est l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Inébranlable. L'Église a toujours survécu au travers de ces 2000 ans d'histoire. Tout le temps, voyez. C'est un fait historique et un fait scripturaire. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose. Vous ramenez dans la parole de Dieu. Au nord d'Israël, il y a le lac de Galilée, la mer de Galilée. Et en haut, plus loin, il y a une immense montagne qui est souvent enneigée, qui est très belle au nord d'Israël, qui s'appelle l'Hermon. L'Hermon, voyez. Une montagne très haute de 2800 mètres d'altitude. Très, très haute, très, très belle. Et donc, c'est à côté des hauteurs du Golan, donc au nord d'Israël. Et du temps de Jésus-Christ, il fallait environ 2 jours et demi de voyage, de marche, depuis la Galilée, pour aller et monter vers l'Hermon, ou sur la montagne de l'Hermon. Et Jésus-Christ, un jour, a choisi de voyager dans cette région avec ses disciples. Et dans cette région, il a fait une déclaration prophétique. Le Seigneur Jésus a déclaré une prophétie la plus importante sur le destin et l'avenir, le futur du croyant en Jésus-Christ. D'après ce que nous savons dans l'Évangile, dans cette région d'Israël, Jésus n'a pas eu un grand ministère. On ne voit pas vraiment de miracle dans cette région au nord de la Galilée, vers l'Hermon, voyez. Il n'a pas eu de très grand ministère à cet endroit-là, mais seulement une conversation qui nous a été rapportée par le Saint-Esprit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, et j'aimerais qu'on le lise maintenant. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. On y est. On est au pied de l'Hermon. Césarée de Philippe est au pied de l'Hermon, cette grande montagne. Et Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, et encore d'autres, Jérémie, ou bien l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, ça veut dire tu es le Messie,
le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, cette révélation que tu viens d'avoir, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. » C'est une des plus grandes déclarations que Jésus a fait pour mon avenir, pour ton avenir, pour notre avenir, pour votre avenir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette déclaration. Je bâtirai mon Église. Mon Église. Ma chérie, celle que j'ai aimée jusqu'à verser mon sang, ma bien-aimée que je veux à mes côtés pour l'éternité. Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire sur elle. Est-ce que c'est une promesse, oui ou non? Alléluia. Quelle belle promesse! Jésus est Dieu, Jésus ne ment pas, et ce qu'il dit, il l'accomplit. Est-ce que l'Église va survivre au milieu de cet ébranlement de la fin des temps? Yes! Mille fois oui! Hallelujah! Hallelujah! Gloire au Seigneur! Chers amis, je bâtirai mon Église. C'est la plus grande prophétie que nous avons sur le destin de l'Église de Christ. C'est la plus grande prophétie que nous avons, qui nous garantit totalement, d'une façon absolue, les soins de Dieu pour ses enfants qui marchent, qui luttent, qui combattent dans la boue des rues à la fin des temps. Je bâtirai. On va être bâti comme un blocus. Amen. Comme un phare. Hallelujah. Et le diable n'aura pas la victoire sur l'Église de Jésus-Christ. Hallelujah. Vous savez, au départ, le diable a essayé d'enrayer la locomotive de l'Église. Il a essayé de faire dérailler le train de l'Église dès le départ par un scandale. Un des disciples qui a marché avec Jésus pendant 3 ans, soudain, se suicide. Son ventre s'ouvre. Il pend au bout de la corde et pouf, ses entrailles descendent de lui. Toute la ville de Jérusalem est au courant de cela. Ah, 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 l'enfer rigole, ça va arrêter, plus personne va vouloir aller dans cette gang, c'est tous des hypocrites. Il nous parle de la vie éternelle, il nous parle de bonté, d'amour. Regardez, un de ses disciples, ce qu'il a fait. Ça n'a pas empêché que quelques jours plus tard, l'apôtre Pierre prêche l'Évangile et 3000 personnes se donnent à Jésus-Christ. L'Église n'est pas arrêtable. L'Église n'est pas stoppable. L'Église est invincible. L'Église est bâtie sur le rocher. L'Église, elle est dans le royaume de Dieu, qui est bâti sur la vérité. Et le royaume de ce monde, c'est le royaume du diable. Et il est bâti sur le sable, et tout va s'écrouler dans un immense fracas à la fin des temps. Les poutres vont revoler, les fenêtres vont tomber, tout va s'écrouler. Le Seigneur a dit, j'ébranlerai tout à la fin des temps, pour que ce qui est inébranlable subsiste. Et l'Église de Christ va subsister parce qu'elle est inébranlable. Le diable essaie de nous secouer, il rôde, il est là autour, il rugit, mais on est là en train de bénir, de louer le Seigneur et d'avoir dans une main où il y a le vin et dans l'autre le pain. Nous sommes en alliance avec l'éternité. Nous avons accès au trône de la gloire. Chaque jour, nous sommes là présents avec nos millions de frères autour de la terre et ceux qui sont déjà parvenus là-haut dans la gloire. Alléluia! Nous sommes l'Église victorieuse, l'Église militante,
triomphante, l'Église triomphante. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Le scandale de la mort de Judas n'a pas arrêté l'Église de Dieu. Le scandale de deux autres hypocrites, Ananias et Saphira, qui sont morts dans l'Église, n'a pas arrêté l'Église d'avancer. L'Église a continué à progresser. On a enfermé les pasteurs dans des prisons. Les anges venaient ouvrir la nuit les portes des prisons pour leur dire « Allez sur la place publique et annoncez l'évangile de gloire. » Alléluia. Que Dieu soit béni. Le sang des chrétiens a coulé, à remplir des rivières. Les bûchers ont été allumés. Alléluia. Le bois a crépité sous leurs pieds. Ils étaient enchaînés à des poteaux. Et jusqu'à la fin, ils restaient fidèles à leur sauveur. On a tué Étienne à coups de pierre. Il a dit, je vois le ciel ouvert. Et Jésus-Christ debout, à la droite de la majesté divine. Ah, sans boucher les oreilles. Vous ne pouvez plus en supporter. Merci Seigneur. Chers amis, l'église dans laquelle vous êtes est une église de Christ, une église invincible, une église qui ne peut pas couler. Alléluia. Essayez de faire couler un bouchon de liège. Impossible. Vous mettez votre pouce sous le bouchon, pouf, le bouchon repart à quelque part ailleurs. Voyez. On nous ferme une fenêtre, pouf, nous reparaissons à une autre fenêtre à côté. Voyez. Impossible d'arrêter l'église de Dieu. Nous avons la vie en nous. La mort a disparu. Le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Merci Seigneur. Et le diable est vaincu. Et le diable est vaincu. Et ce qu'il doit voir chaque jour, c'est mon poing fermé. Il faut que j'aie de la haine vis-à-vis de mon ennemi. Pour que je puisse vaincre mon ennemi, il faut que je le sache qui est mon ennemi. Et quand il est discerné, et quand je sais qu'il a été vaincu sous le talon de Jésus-Christ cloué avec un fer à la croix de Golgotha, je sais que le serpent est en train d'être écrasé. Il rugit, il est vaincu et nous le savons. Amen. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi, rien, R-I-E-N, rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Nous serons fidèles jusqu'à la mort. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous faites partie de cette église, alors vous ne pourrez pas aller dans l'échec. Vous ne pouvez pas faillir et vous ne serez jamais vaincu. Vous ne serez jamais vaincu. Vous serez vainqueur et vous aurez votre récompense là-haut dans la gloire. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Un jour nous serons dans ce paradis de Dieu. Pas le paradis d'un fou sur la terre, pas le paradis d'un bar, pas le paradis d'un voyage quelque part au bout de la terre où on nous promet le paradis. Non, 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 non. Le paradis de Dieu. De Dieu. Amen. Pourquoi Jésus est-il allé à Césarée de Philippe? Pourquoi a-t-il fait le voyage là-bas? Est-il monté vers l'Hermon pour donner cette prophétie très importante? Eh bien, c'est que cette ville, Césarée de Philippe, c'était un centre païen. La ville était un centre païen, un lieu idolâtre. C'était un lieu d'idolâtrie. Dans ce lieu particulièrement, la ville était reconnue pour l'adoration des démons. Et il y avait des sacrifices humains à Césarée de Philippe. Et certains disent que même au temps de Jésus-Christ, cela avait lieu, là-haut, vers la montagne de l'Hermon. Dans l'Ancien Testament, le mont Hermon est souvent nommé par un autre nom, Baal Hermon. Cette montagne n'est pas appelée uniquement Hermon, elle est appelée dans l'Ancien Testament Baal Hermon. La montagne de Baal Hermon. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause Baal, c'était Satan, voyez. Baal, c'est une divinité païenne dans l'Ancien Testament qui représente le diable, voyez. Et à cause de cette adoration diabolique, eh bien, on appelait l'Hermon Baal Hermon. Baal Hermon. Vous savez, au nord d'Israël, dans ce coin-là, il y avait une tribu qui s'appelait la tribu de Dan, D-A-N. Et ils étaient placés géographiquement au nord d'Israël, à seulement 2 kilomètres
de Césarée de Philippe. N'oubliez pas, ça a été Dan, voyez, qui souvent a conduit la totalité du peuple d'Israël dans l'idolâtrie. C'était cette tribu qui était là-haut, au nord. Aujourd'hui, Césarée de Philippe, c'est en ruine. On vous montrera, si vous allez dans ce coin-là, des ruines, voyez, des ruines. Il n'y reste absolument pas grand-chose, sauf des pierres. Mais juste à côté, il y a un village arabe, aujourd'hui, qui s'appelle Banias. Banias, qui est à peu près sur aux environs de l'ancien site donc de Césarée de Philippe. Mais même le nom Banias, Banias, voyez, est significatif. Ça parle de la corruption, je dirais, d'un nom très ancien, d'une ville qui était là longtemps avant Césarée, qui s'appelait Panias. Panias est devenu Banias aujourd'hui, hein, donc dans cette ville qui est arabe. Mais avant, ce n'était pas Banias, c'était Panias. Et Panias, c'était un centre romain, païen. Et là, on y adorait le dieu païen, Pan. C'est pour ça qu'on appelait Panias. Vous savez, les Romains avaient toutes sortes de dieux. Mercure, Vénus, Bacchus, pour l'alcool, n'importe quoi, vous voyez. Et ils avaient aussi Pan. Et le dieu païen, Pan, c'était le dieu de la fertilité. Et le dieu de la fertilité, c'est toujours des orgies sexuelles. Toujours, vous voyez. Ce qui veut dire que ça se passait dans cette région-là. Et c'est étrange que Jésus arrive dans un endroit qui avait une histoire si méchante pour faire une telle déclaration sur la victoire finale de son royaume. Je bâtirai mon église. C'est comme si Jésus est allé parler au diable directement dans son lieu là-bas. Je vais bâtir mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Chers amis, ce n'est pas si étrange, je dirais, que ça, quand on sait que d'après certains historiens, Césarée de Philippe avait un autre surnom. En bas, plus loin au sud, à Jérusalem, en Galilée, en Judée, vous savez comment ils appelaient la ville de Césarée de Philippe? Les portes de l'enfer. Donc, Jésus arrive dans cette région et il va parler les portes de l'enfer, qui était l'ancien nom donc donné les autres Israélites à cette région de Césarée de Philippe. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, n'auront pas la victoire. Les disciples ont dû sentir que Jésus était en train de montrer son poing à la face de Satan et des démons. Amen. Satan a été écrasé littéralement à la croix du calvaire. Il a été écrasé. Il n'a aucun pouvoir sur vous. Si vous êtes soumis au Seigneur Jésus-Christ. Jésus a marché directement vers les portes de l'enfer, Césarée de Philippe, et il a annoncé là que l'Église, son Église, composée d'hommes et de femmes très ordinaires comme disciples, eh bien, n'aurait pas d'échec parce qu'il a promis que c'était lui qui allait la bâtir, la construire. Nous sommes bâtis par un bâtisseur qui n'est pas un franc-maçon, mais par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tout ce que nous avons à faire, c'est être certain de bien faire partie de cette Église. C'est tout. De bien s'attacher à l'Église de Jésus-Christ, authentique, véritable, non apostate, fidèle, humble, dépouillée peut-être, persécutée, rejetée. Mais ce n'est pas grave, on veut faire partie et nous attacher à cette Église de Jésus-Christ pour laquelle il est mort à la croix de Golgotha. En être participant à part entière. Chers amis, mystère pour les païens. Comment l'Église peut-elle avoir une si grande confiance malgré toute l'atmosphère méchante autour de nous? Nous sommes joyeux. Oh yeah. Eux, ils arrivent le lundi matin avec un mal de caboche, de tête. Hein, ils ont pas dormi toute la fin de semaine. Ils ont été debout toute la nuit. Ils ont dormi le jour. Hein, ils arrivent au bureau. C'est terrible. Nous, on arrive reposés,
rempli, joyeux. Comment peux-tu être aussi joyeux que ça? Ah, je vais te dire, voyez, la bonne nouvelle. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons parler. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Amen. Chers amis, l'atmosphère est très méchante dans ce monde. Très méchante, voyez. Il y a des intrigues, il y a des complots, il y a des pièges, il y a des trappes, il y a des démons, voyez. Il y a des hurlements, il y a des scorpions, il y a des angoisses, voyez. Il y a des plans qui sont faits pour un seul gouvernement mondial. Il y a des plans qui sont bâtis, élaborés pour faire une seule religion mondiale, voyez. Il y a des puissances philosophiques écrasantes, accablantes. Il y a les puissances de l'Antichrist qui travaillent, le diable sait que son temps est court, voyez. Et là, c'est des chrétiens qui ne savent même pas que leur temps est court. Le diable, au moins, il sait que son temps est court. Nous devons savoir aussi que notre temps s'amenuise, ça raccourcit de plus en plus nous approchons du retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Église a de plus grandes révélations de la parole de Dieu qui nous sont données, qui nous sont décelées, qui nous sont ouvertes plus qu'à aucune autre génération. Nous comprenons certaines choses que nos pasteurs des temps passés, nos anciens, n'ont jamais réalisées parce que nous sommes en train de voir, de vivre. Nous sommes au premier rang, je dirais. Nous sommes aux premières loges en train de voir le char du monde descendre dans l'enfer. C'est quelque chose d'inimaginable ce que les prophètes de la Bible ont enseigné il y a 25 siècles est en train d'arriver en notre génération. En notre génération. Daniel le prophète a dit à la fin, la connaissance augmentera. Ça veut dire vous allez connaître de plus en plus. Vous allez bien savoir où est-ce que nous sommes arrivés. Vous aurez des points de repère. Vous ne serez pas perdus. Alors, vous ne serez pas comme les païens. Tout ça, le pétrole monte, mon argent, tremblement de terre ici. Non. Laissez faire, voyez. N'oubliez pas que ce n'est pas nous qui sommes responsables de bâtir l'Église de Dieu. Le bâtisseur, c'est Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église. Il me bâtit tous les jours, toutes les semaines. Il nous réconforte. Il est là pour nous entourer, pour nous fortifier. Je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Voyez. N'aimez pas conduire une voiture quand tout est en train d'être déglingué. Vous voyez, il y a des bruits de partout, des sonnettes, ça. Non, il faut aller au garage. Il faut que le garagiste me resserre tout ça. Vous voyez, on veut que ça soit resserré. Et quand vous passez dans les trous, les bosses, aucun bruit. Pouf, vous voyez, c'est exactement comme cela. L'Église de Dieu est capable de passer dans n'importe quel trou, n'importe quelle bosse, aucun bruit. On ne fait pas un pli. On marche avec le Seigneur, alors il n'y a rien qui branle parce qu'on est avec Jésus-Christ. Et c'est cela, évidemment, que Jésus-Christ veut. Je bâtirai, il bâtit très bien, très très bien, son Église. Merci Seigneur, nous sommes co-ouvriers avec lui, co-ouvriers avec le Seigneur. Évidemment, Satan essaye, évidemment, que l'Église soit en avance, que l'Église puisse avancer. Hein. Chers amis, j'aimerais vous dire, tout ce que nous pouvons faire, c'est relaxer dans le Seigneur. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je vais vivre par la foi. Je vais toujours te faire confiance. Peut-être je ne comprends pas toutes choses qui m'arrivent, mais je vais te faire confiance. Je vais relaxer. Voyez, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tension, parce qu'il n'y a pas de soucis. Mais Seigneur, maintenant, je vais faire de mon mieux, du mieux de ma connaissance. Ce que je connais, je vais le mettre en pratique. Je vais le faire de mon mieux, Seigneur. Maintenant, toute chose est entre tes mains. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Il a un merveilleux bulldozer, le Seigneur. Vous voyez, il aplanit les sentiers. Merci, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier,
Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit continue à faire cette œuvre merveilleuse dans ton Église, alors que tout va être ébranlé. Tout est en train déjà d'être ébranlé dans ce monde. Et nous, nous sommes inébranlables. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes enfants persévérants, pour tes enfants joyeux, Seigneur, au travers de leurs pleurs, de leurs difficultés, de leurs persécutions. Tu es là pour nous soutenir, Seigneur, jusqu'à la fin. Tu n'abandonnes aucune de tes brebis. Merci, Père, dans le nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.